Bah moi je comprends pas, hein. Ça a été fait là. Après, laisse tomber, je suis en direct. Je vais essayer de mettre à terre. Je suis en direct, pas en direct. Putain, là. Ah là. Appelez-moi mec à main, ça. Parce que là, j'entends des choses là que je ne comprends pas. Hein. Battery tried. Connected. Peut-être que je rêve, hein. Peut-être que la fois je vais aller si moi je rêve. Parce que moi je rêve seulement, hein. On va se faire voir des bandes de, sous mon nom. On est arrivé sans, on commence parce que je ne vais pas rester longtemps. On m'a envoyé certaines choses là, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, moi je ne comprends rien. Et là, c'est ton bouillon, hein. Partagez direct, partagez. Avançons. On va avancer dans l'histoire, si. Peut-être que les gens me voient partout, hein. La connexion, si. Parfois, la connexion. Je vais apprendre, tu vois. Voilà, j'ai. Là, on fait le Congo, ça. Voilà. Ça, c'est la chance, c'est un compresseur des compresseurs. Ouais, compresseur, pourquoi tu n'as pas tapé la veuve là-bas? D'ailleurs, je sens que le bal des hypocrites. Voilà pourquoi, mais quand même, on ne peut pas dans les endroits comme ça. Parce que les gens que j'ai la haine dans le cœur, que je peux les nattre seulement. Ouais, compresseur, voilà. La femme, si je ne connais pas. Mais bon, apparemment, c'est la compagnie, c'est qu'elle est quelqu'un que les gens connaissent. Donc, on ne connaît pas l'angassé. Mais ceux qui connaissent l'angassé, ouais. Déjà, Amen Kamer, tu vois que c'est facile de me naquer. C'est facile de me naquer. Toi, tu ne t'apprends à moi par rapport à quoi? Je ne suis pas bassa, hein. Tu entends, je suis boulot, hein. Tu entends, hein. Donc, je ne sais pas pourquoi tu entres dans cette histoire. Parce que moi, on m'envoie la vidéo, on me dit là où tu parles. Tu dis que le bas des hypocrites. Dis-moi qui, avec qui je traîne. Je dirais que tu es un pauvre type. Amen Kamer. Tu es un battant pauvre type. Tu as fait le Cameroun, pourquoi? Toi même tu es ici, tu n'as pas de maison, tu n'as rien. Moi je suis dans mon pauvre HLM 8, j'ai mon HLM, je suis chez moi. Tu n'as jamais appris que je suis quitté chez moi pour aller habiter chez les gens. Même ta son Gossa, on l'a chassé ici à Paris, quitté ici. Aller habiter là-bas, quitter là, on l'a encore chassé là-bas, habiter ailleurs. Là on l'a pris le mari de Tatiana. Toi même tu es allé aujourd'hui. Une petite fille bamiké appelée Oshiga, te traîne dans la boue sur les réseaux sociaux. Regardez à quoi tu ressembles. Tu n'es plus patriote. Hein? Tu as fini de travailler dans les champs d'Amou Gubelinga. Tu t'en prends maintenant à moi. Hein? Tu veux dire, hein? Partagez, dis-le, si vous n'êtes pas assez nombreux. Partagez. Appelez-moi mes caméras. Donc l'histoire s'y va aller à la CPI. Vous n'êtes pas assez nombreux, hein? Ça que vous n'êtes pas nombreux, je vous laisse quand même écouter. Je vais répondre à ma façon. Là, on fait le Congo, ça.
Ça, c'est la chancelière compresseur du compresseur. Ouais, compresseur, pourquoi tu n'as pas tapé la vue là-bas? Tu as rien du sens que le bal des hypocrites. Voilà pourquoi, mais quand même, on ne peut pas avoir des endroits comme ça. Ça, c'est les gens que j'ai la haine dans le cœur qui est très maximum. Ouais, compresseur. Voilà. La femme, si je ne connais pas. Mais bon, apparemment, c'est la compagnie, c'est quelqu'un que les gens connaissent. Je ne connais pas l'Angassi. Ben, ceux qui connaissent l'Angassi, c'est écrit son nom. Elle est bien habillée, il n'y a pas de souci. Voilà, elle est mal hypocrite. La femme la plus hypocrite de la terre. Le gars est de ma vie, soit avec l'enfant. Regardez. Elle est mal, voilà, elle est une gâteau de lui, elle ne peut pas se payer. Là, il a reçu 1 500 €. Voilà ce qu'on appelle le. Je ne peux pas comprendre. Elle galère comme il n'a pas permis. Moi, je vois comment elle doit réveiller le gros champagne. On va parler, on va encore du coup à mettre avec. Voilà, elle a comme ça, hein. Elle a pris dans un Ashley. La pauvreté, elle n'a plus. Maman, écoutez. Son chemin, c'est la vie. Pauvre comme tout. Mais elle vient s'asseoir avec les gens. Merci, avec ta mère. On va parler, on va du coup, on va sur la mettre, on a dit ceci. On continue. Je vous rappelle que la moitié de la salle, c'est le chemin. Félicitations encore à Flore, la salle était pleine. C'était le plus important. Je sais pas ce que. Ma part. Je me trouvais ce matin dans la vitrine en train de retirer les affiches. Fiche-moi la paix. De comment on fiche-moi la paix. C'est bien qui sert. Tu l'as fait quoi dans mon mur? Fiche la paix, tu t'en dégages, dégage. De te bannir, dégage. Dégage, tu fais quoi ici? Imbécile, dégage. Tu es mon ami. Je te bannis tous les jours que tu dis. Tu es quoi dans le direct? Dégage, dégage. Ne reprends pas, tu es ma personne, imbécile. Partagez dans le direct, là, hein. Il n'y a pas de partage. Partagez et commentez. On va dans le vrai bas des hypocrites. Mais comment vous avez dit que tu es qui pour moi, non? Mais comment vous. Déjà, Amen Kamel, déjà bonjour. Je sais que vous avez déjà 300 personnes à regarder. Amen Kamel, je ne te connais pas. Tu attends, non? Tu es résidu d'homme. Tu attends, non? Résidu d'homme, là où tu es là. Si je parle aujourd'hui avec un cœur, Fleur de Lys, c'est derrière moi. C'est moi qui ai tendu le mot de Fleur de Lys, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, mec, Amen. Quand tu habitais encore à Gaël, là où tu prostituais tes sœurs, bah ça. On est d'accord? Je parle avec toi. Aujourd'hui, tu m'insultes, tu sais comme ça, on va me taper. Ne regarde pas ce qu'il y a là parce qu'il y avait des gens autour d'elle. Elle va me taper. Moi, même si, non, c'est pas vrai, surtout encore toujours de l'hôpital, j'ai quand même mis son dos, sauf que c'est ça, et je me vante pour ça. Quand j'ai tapé la bombe, je ne viens pas avec les bagues. Si vous voulez compresser, moi, on fait encore une deuxième ronde, attendez que je me mette, on fait encore une deuxième ronde. Je veux gagner le tout, c'est. Je ne juste pas avec vous. Tu dis que je suis une pauvre, je dis, ah, maman, il ne me dépasse pas à payer. Amen, quand même. Regarde très bien ici à Paris. Les gens ont déménagé leur maison depuis des années que mon mari est taille. Je suis, on m'a donné, depuis des années, je suis ici. Je n'habite pas chez les gens, moi. Et maintenant, tu es où? Tu peux maintenant squatter chez une pauvre fille. Elle, là-bas, maintenant, on va c'est une scarabée qui aime, elle aime la femme. Et une fille qui est, on m'a donné, on va même des enfants. Tu es beau, tu es ce que dit la petite. Matin, midi, c'est pour former quel couple? On sort, on couple de mendiants, on couple de pauvres gens. Quel couple même? Tu n'as pas honte? Comme il fait froid dehors, t'as chassé là où tu vivais. Hein? Un monsieur qui a le bac plus 2, qui a eu le diplôme, maintenant il fait des taxes noires. Tu es parti au Cameroun, tu avais les champs dans notre homme. Dans les champs d'un homme, il n'arrive pas au Cameroun, on te voit, non? Tu peux partir. Tu sais comment se comporte, se porte tes champs? Non. Comme soignants sont tes champs. Tu es arrivé là-bas, tu nous montrais que voilà tes champs. Depuis qu'on est arrivé, Amou Goubelinga, soit je sais qu'on a arrêté Amou Goubelinga. Le voici ici en France. L'autre jour, on a menti qu'il est sorti. Il était le premier à bavarder parce qu'il croyait qu'il va rentrer au pays. Tu vois que c'est facile. Tu sais, moi, je ne connais même pas trop ta vie. Je ne pouvais pas t'insulter. Tu entends un gars Bassa, un djinn Bassa. Tu sais que c'est ton village, quel village? Il faudrait qu'il se retrouve en bordure de route. Là où tout le monde peut aller acheter. Tu passes seulement voir le chef du village. Tu dis que
J'ai vu une poire là-bas. Et que je pense, tu achètes là-bas. Tout, on achète des poireaux au Cameroun. À mon moment, il a acheté le poireau chez les bassins là-bas. Pas ta complicité. Oui. Il a planté ses manioc, planté ses ananas, planté les étangs de poisson. C'est pour Amou Bobelinga. C'est pas pour toi. Depuis il y a presque un an, un demi ou deux ans, quand Amou Bobelinga est en prison. Pourquoi tu n'es pas encore reparti au Cameroun faire un tour dans les champs? Dans les champs de manioc là, de cacao là. Parce que ce n'était pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, ce n'a jamais été pour toi. Tu fais quoi ici? Et tu me dis, tu es pauvre femme. Je reste la même pauvre femme. Je mange à ma faim. J'ai ce que toi, tu n'auras jamais. Tu entends, non? C'est moi. Là où tu dors, si tu dors quelque part, c'est moi. C'est derrière ma relation. Que je suis dans toi aujourd'hui. Je suis arrivé dans une maison. Dans un tour de femme battue. C'est derrière mes relations. Quoi aujourd'hui, là où tu m'insultes là. Tu es chez Oshida, tu m'insultes. C'est derrière mes relations. Tu entends, non? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai quelque chose à Oshida. Oshida aussi m'avait aidé, mais moi, j'ai payé. Oshida a monétisé ma page. Mais moi, j'ai payé Oshida. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, moi, je ne te vois même pas. Je ne te vois même pas devant moi. Tu es un sous-homme. Les pieds plats. De là où tu dors là. Sache que c'est moi qui l'a trouvé. Sinon, tu allais déjà au Chida. Vous serez dans les RMB à train de faire l'amour. Ou bien dans les petites machines, tout là. Les formules 1 en train de baiser. Donc, vous me remerciez. Avec cette idée-ci, tu as quand même un poids sur la tête. Tu m'entends? Tu me dis, tu entends qui? Je suis une pauvre veuve, oui, comme tu dis. Mais moi, tu m'as jamais appris que je suis parti habiter chez quelqu'un, mais les gens viennent habiter chez moi. Et moi, j'aime les gens. Tu entends? Non? Moi, tu n'as pas encore quand même, tu nous montres pour les gens de poulet là. Où sont, comment se font tes poulets? Bref, ça n'a jamais été à toi. Tu n'as rien, tu es un petit. Hein? Les maisons creuses que tu viens faire partout. Non. Attends. Hein? Je suis hypocrite avec quoi? Hypocrite avec quoi? Hein? Hein? Il faudrait venir à la soirée, non? Tu peux taper qui? Je me souviens des petits gars, que tu as encerclé ici, quand tu avais dit que tu vas être capable de la matière ici. La honte allait nous tuer ici à Facebook. Tu n'as pas ta salle miserable pour ta grosse bouche là derrière les caméras. Devant, tu peux faire quoi qui? Hein? Tu peux faire quoi qui? Un va-nous-pied. Un gars à ça, qui vend son village à un bêtis. Hein? Laisse-moi les babibos me mettre au frigo. Dans le frigo, hein? Va mettre au frigo. Tu parles à qui? On a dit que je souffre, que j'ai faim. Tu as un problème avec moi? Tu as un problème avec moi? Parce que je pense que l'espoir, c'est un problème. Je suis hypocrite par rapport à quoi? Il fallait venir avec Oshida. C'était une soirée où open bar à tout le monde. Tu dis que, hein, compression, ma pas. J'ai besoin de compression, ma salut. Elle est qui? Devant la veuve joyeuse. Apparemment, j'apprends qu'elle a embrassé un casse. Compression, je te signale que, hein. Je ne suis pas au courant que, hein. Tu as embrassé un casse à chicote. Quand tu as embrassé un casse à chicote, j'étais à côté. Non. Même vous avez croisé là-bas, parce que moi j'étais pour le porter. Alors c'est de ma faute. Moi je filmais partout, je filmais la salle. Donc tu me salues ou pas? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Putain de bordel, tu peux même. Quand tu es entré, à ton entrée, tout le monde, les gens disaient compression. Tu vas venir me lever, même pour guetter même là où tu étais assis, jamais. Je me souviens pas de pour guetter là où tu es assis. Donc tu disais que tu as salué un casse seulement. Casse, c'est ma soeur. Il ne fallait pas la prendre dans ta table, non? Quand c'est ma soeur est venue, elle t'a salué. Quand vous êtes salué, si je voyais, moi j'allais filmer que voilà, tu vas être en place parce que je filmais tout le monde. Donc épargnez-moi un peu. Tu penses que moi je peux te saluer, toi aussi. J'ai fait l'erreur une fois parce que c'est l'état assis à côté de toi. Et la prétexte que quand tous les gens assis, la personne qui est de vous salue les gens, je t'ai tendu la main, tu as refusé. Et alors, ça fait quoi? Toi, moi, je dis compresseur. Recommençons à zéro. Tu as dit que les gens qui ont insulté ta mère, toi tu as fait quoi de ma Anna ici? Redonnons nos moutons. Tu as insulté ma Anna ici combien de temps? Pendant des années. Anna, avec le Marma. Tu laisses Marma insulter la main et faire lier sinon. Moi je vais pas cacher votre amitié. Hein? Mais l'hypocrisie ici c'est toi qui es hypocrite. Moi j'étais insulté parce que tu as insulté ma mère avec le logique. J'étais insulté propre et j'ai insulté ta mère. Si ça refait, je te le dis, je vais le refaire.
En ce qui concerne, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour manger. Ah, ok. Mais moi, c'est pas. En ce qui concerne. Partagez. Ça, c'est pas des vrais. Bah oui, c'est pas des vrais. Attends, je te fais ton bouillon. Tu vas manger. Merci. En ce qui concerne Jean-Louis Mossam, j'ai appris que tu dis que, comme Jean-Louis Mossam m'a pardonné, toi, tu vas te rallier avec la baronne de Suisse. Rien à foutre. Tu vas te rallier avec qui tu veux. Je me suis rallié avec personne. Ne pas tu as demandé pardon, ne pas te rallier aujourd'hui avec Féronil. Hein? Tu es venu avec Féronil, non? Avec les bagarres que tu as organisé les rites ici à Paris pour tuer Féronil, tu as oublié. Hein? Elle t'a pardonné, non? C'est pas parce que moi, on a eu le problème. Et que j'ai dit que je voulais la paix avec lui. J'ai fait la paix avec pas, mon sang. Et je fais sa publicité. Parce que ses produits sont bien. Va te rallier avec qui tu veux pour tuer ton frère, je m'en fous. Ça ne me rallie pas. Ça ne chauffe pas. Tu es pour être au bout. Moi, j'ai fait la publicité de pas, mon sang. Star British. Et c'est ça que je mets. Et j'ai un beau teint. Ça ne chauffe pas. D'autres choses là-bas, fais ça loin. Tu qui devant ma porte. Je ne suis pas une mangiade, moi. Tu entends, non? Moi, j'ai été la soeur de frère de Lille. J'ai filmé tout le monde. J'ai filmé ma soeur Michel et son bas. Et moi, on a fait la paix le jour-là. J'ai fait la paix avec le nom de Caprio. Quand tu étais assis maintenant, là où tu étais debout assis, on t'était assis là-bas comme le mouvement conçu, comme un rat. On est parti te mettre au fond. Tu étais la partie de venir, ce n'est pas là que tu devais t'asseoir. On te met un seul canapé et ton mari assis. Elle est beau ça. Tu sais, hein? Pardon, vos choses-là, ce n'est pas avec moi. Vous avez commencé avec moi. Oubliez-moi. Moi, j'étais reporter. Je suis parti filmer, je filmais les gens. Que tu emboîtes, que tu me salues pas, tu es qui? Quoi que ce soit, tu peux venir devant moi, tu salues que comme Adrien, tu me salues pas, je m'en fous de toi carrément. Il n'y a rien à battre. Que tu salues les gens ou pas, que ça peut faire de la bonne joyeuse. Peut-être que tu ne me connais pas très bien. Regardez-vous. J'ai dit que j'ai fait la paix avec pas mon sang. Que ça vous énerve ou pas, allez vous rallier, ma dis pour tuer pas mon sang, c'est votre problème là-bas, c'est votre frère Bassa. Moi, je suis Boulou. Et je le soutiens là, que ça vous plaise ou pas. Et je vais continuer toujours à faire sa publicité. Ne me mêlez pas dans vos sales problèmes. Les tribalistes bas, ça. Il te faut quelqu'un, il te faut des trucs gratuits. Tu vas amener au Chida ou tu vas faire quoi de Chida? Pauvre Chida, tu peux l'amener où? Tu peux faire du quoi Chida? Tu peux la fabriquer? Hein? Tu cherches là où aller habiter, mon frère? Tu cherches là où dormir? Et tu me parles, je suis pauvre veuve, je suis dans mon HLM depuis des années. J'ai des gens comme ça. Ici. Je mange bien, je dors bien, je baisse bien quand je veux. C'est moi qui commande. Je suis une pauvre veuve. Toi, tu as alors quoi? Hein? Tu es obligé de travailler pour qu'on renouvelle ta carte de séjour. Regarde mon bâtard comme ça. Tu n'as pas honte d'entendre les problèmes des gens. Tu as fait qui est hypocrite. Hein? Tu as déjà organisé sa soirée et là que les gens ne viennent pas. Tu n'as pas obligé de parler de ce pays. Pourquoi? Nous, on était à l'harmonie là-bas. Il n'y avait que du beau monde, pas les racailles. Regarde, tu es devenu ténébreux. Regarde les côtés des ténébreux. Quand on voit vos visages, il n'y a que les visages de la haine. Tu entends, non? Donc, allez faire vos choses là-bas. Que j'attends pour parler de mon nom. Donc, on voit ça. Quand tu as quand ça chicote ou pas, jamais rien à foutre. C'est ton ami, tu dois l'embrasser. Oui. Donc, ne confondez pas. C'est comme si j'étais assise en attendant que tu viennes. J'étais assise en attendant que tu viennes me saluer.
Tu me veux joyeuse. Tu m'as bien regardé. Moi, je suis parti pour m'amuser, hein. Je me suis bien amusé, hein. Ben oui, je me suis bien amusé. Hmm? Vous parlez de vous ici avec vous. Donc, on dirait que c'est moi, c'est que vous ne voulez pas avoir la peine là. Je suis parti en pian. La deuxième édition, j'irai encore en pian. Vous allez souffrir. Oui, je suis parti. Nampian. Donc c'est à cause de moi que vous êtes sur vous êtes devenu du. Maman, vous en aimeriez pas. Était nerveux, parce que j'avais fait joyeuse. Eh, maman, Dieu a bien fait que tu parles, moi j'étais assis là depuis longtemps. Après quand tu es passé, quand on a dit vous joyeux, tu as vu la différence entre vous joyeux quand tu as. Mais quand tu as entré, tu as vu la différence entre nos deux entrées. Mon entier, les gens se sont les deux. Oh, frère joyeux, tout là. Moi, j'étais étonné que putain, c'était pas possible. Mon entier était comme quand. Tu vois comment les gens étaient beaux, frère joyeux, des téléphones partout. Quand tu entrais, hein, quelqu'un s'est levé. Qui a crié? Il y a que le gars du micro qui criait. Et le temps change. Moi, je suis vrai. Ne pas les problèmes entre toi et ta copine. Restez ensemble. Moi, il a choisi mon camp. Oui. Parce que avant de reprocher aux gens qu'on a insulté ta mère ici, toi-même, tu as fait mon maman Anna ici. Tu veux que je mets encore les boîtes là? Hein? Si c'est moi qui vous cherchez, vous allez m'en tomber, hein? Attention, hein? Si c'est chez moi que vous voulez, n'essayez même pas. On va se clasher propre ici. Et la terre va encore bien se diviser. Parce que moi, ça n'est pas d'en foutre. On était là-bas, si tu as salué, que tu as salué une casse ou pas, je m'en foutais. Moi, tu passais faire des reportages pour filmer, là, pour montrer la soirée de ta copine. Toi, tu n'as même pas vu danser, tu n'as même pas dansé une seule fois. Peut-être que tu danses là où tu étais assis là-bas, au trou là-bas. Parce que tu étais assis au trou, dans une chaise marron. Les vrais gens étaient assis dans les chaises rouges là-bas, là où il y avait tous les stars. Oh, les vrais stars, les vrais du. Était là où il y avait le coup d'un guerre, Abazabazabaza Ali. Toi et moi, on était assis, on peut dire que les Shabbat. N'oublie pas. Comme tu voulais que quand tu vas entrer, tu ne connais pas quand tu ne peux pas t'asseoir où. Si tu payais, tu allais t'asseoir là où Michel se mettait assise. Nous, c'était que quand tu entres comme ça. Regardez bien, hein. Nous, on s'arrête ici. C'est ici que nous, on est. Et après, maintenant, on continue encore. Ouas. Bon, les vrais gens, les vides qui étaient là-bas, on t'a pas vu là-bas. Tout le monde était assis là-bas derrière. Donc. Voilà. Les gens étaient assis là, le tapis rouge là-bas. Là où je suis parti filmer au tapis rouge. Voilà. Regardez, mais comment même on vient mettre ce de notre côté comme ça. Hein? Moi, j'ai passé mon temps à filmer, hein. Donc, que tu embrasses un gars, ça chicote ou pas, je n'étais pas vu danser. Je n'étais pas vu danser. Pas du tout. Tu étais tout le temps fâché. Ou bien, parce que là, que tu étais fâché. Ce qui est fait, on m'a annoncé, on m'a vu à Canal 2. Ou même, tu te comptes à vue. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça ne chauffe pas. Bon, votre concurrence, je ne suis pas dedans. Et enlevez-moi dans vos problèmes. Va te rallier avec n'importe qui pour tuer ton frère, Jean-Louis Messam. Va le tuer là-bas. C'est parce que je suis avec Jean-Louis Messam que ça devait avoir des problèmes. J'ai décidé que je suis avec lui. Aujourd'hui, demain, après demain, les problèmes finissent souvent. N'oublie pas que toi-même, là où tu es là, que Marco, n'oublie pas ici à Facebook. Les promesses de bagarre entre toi et quelqu'un comme ici, n'oublie pas. Les gens ne sont pas amnésiques, tout le monde n'est pas amnésique à Facebook. Hein? Donc, quand vous commencez votre sortie, là, oubliez-moi les archives. Si tu veux qu'on anime Facebook, tout le monde va animer Facebook, pop. C'est comme ça que vous êtes. Allez vous aller où vous voulez là-bas. Vous tuez votre frère, mais ça. Oubliez-moi. Je ne suis pas bassin, je suis boulou. Et j'ai décidé que je ne serai pas à ma salle aujourd'hui, demain, après demain. Mais ça m'a jamais invité quelque part pour manger. Dans son truc là, comme je faisais sa publicité, c'est normal.
Quand Paul nous a sorti son huile, n'est-ce pas comme j'étais la paix avec lui? Hein? Hmm? N'est-ce pas comme j'ai commencé à faire la publicité? Mais j'ai fait une bonne publicité et il m'a invité à son vernissage de à sa présentation d'huile. Je suis parti. Mon huile est une fois que j'ai acheté encore. C'est quoi? Et pourquoi j'ai fini par? Tu peux prendre le client? Tu peux prendre le client? Oui. Il y a quoi l'appareil? C'est ici, viens enlever. Enlève l'appareil. Je crois que les clients ne vont pas le savoir. Tiens. Tu manges proprement, hein? Hein? Non. Moi, je ne vais pas le fond de ma mite, hein? Et je ne commande pas les oranges, hein? L'utation a dit, il a donné toi que tu veux que, au lieu de continuer à donner l'argent à quelqu'un, hein, pour racler les fonds de mamite chez les gens, je préfère qu'elle travaille pour moi. Oh, wow. N'oublie pas qu'on est sur, on est à Facebook, hein. Parce que quand vous commencez là, il était d'abord, c'est l'hiver. Mais vous savez que je ne vois rien. Je sais tout, je vois tout. Donc, quand le feu va encore ici en bas, arrêtez l'histoire là, avec moi, je ne vous dois rien. Ngoza, ils sont faits basta, mais quand même, laissez-moi te dire, je ne vous connais pas. Je ne vous, que je ne te salue, que tu es qui? Tu es mon niveau de vie. Hein? En tout cas, j'ai les asticots, hein, merci. Ce n'est pas grave. Mieux d'être dans les asticots ici. Je ne t'ai pas salué parce que tu ne salues pas qui? Tu m'as dit, je ne suis pas au courant que tu as embrassé un casse. Ou c'est un casse qui t'est déplacé pour venir te saluer là-bas, ou c'est toi qui as. Je me suis pas au courant, moi j'ai passé mon téléphone, j'étais caméraman, tout le monde le sait. J'ai laissé mon téléphone, j'ai filmé toute la salle, de dehors jusqu'à l'intérieur, donc j'avais pas le temps déjà qu'ils s'embrassent ou pas. Bon, laissez-moi tranquille. J'adore quand il y a des problèmes, parce que quand vous commencez à veuve, quand vous commencez, vous ne voyez pas. Si ça continue, on va chauffer Facebook. Et on a le petit bâtard d'Amé quand même. Un gars passe à qui dans son village. Tu as parlé ton village à Mugbelinga. Regarde-moi un bâtard comme ça. Hein? Tu comprends ça, vous voyez pas quoi? Peut-être comme je suis malade ici, peut-être oui. Mais en dehors de ça, je ne vois pas devant moi. Regarde-moi les gens comme ça, vous n'avez pas le vie. Amé quand même, la langue de saké là. Qui se bat là pour vivre. Quand l'invitation nous donne quelque chose à manger, hein? Toi, tu l'as seulement de commencer à défendre à Facebook. Comment ça, je te dois, tu es de ma famille. On a déjà peur de toi. Allez, fais aux gens qui ont peur de vous, hein? Moi, je suis l'os, hein? Et puis, je suis l'os. On ne me la fait pas. Tu entends, non? Si aujourd'hui, avec Amen, tu es devenu l'ami de Fleur de Lys, c'est derrière moi. Je pense que tu donnes le nom de Fleur de Lys, tu commences à l'appeler. Tu oublies ça? Moi, j'ai mon bon cœur, celui qui ouvre sa large, vous allez avec ce nari comme les soupapes de Boeing 257, il me parle, moi. Va faire ça, loin, hein? Regarde là où tu vis. Là où tu dors, là. C'est derrière la vôtre, j'ai son reconnaissance. Je suis arrivé dans une maison de femmes battues. Tu attends, non, dans un foyer de femmes battues, on appelle ça foyer. C'est moi qui l'ai aidé parce qu'elle m'a aussi aidé pour la mutilation. Les charges de bois procédés. Tu m'attends, non? Là où tu dors, là. Là où tu es en bas avec le matelas mou, là. Avec le matelas de maïs. Regarde mon bâtard, comme ça, je ne suis pas un maquis. Et je vous le dis d'abord, une personne qui m'insulte ici, je vais vous bloquer après. Parce que moi, je suis convalescente. Je vous parle des problèmes. Les problèmes, tellement trouvés. Et je réponds. Ma fille, c'est après quand les gens me commencent, vous ne voyez pas. Quand moi je vais sortir ma voix. Là, comment dire, la même journée, là, je commence à récompenser ça. La même journée, là, commencer. Qu'est-ce que ça me fout? On t'a dit, moi, si tu étais la soirée, compétition, c'est la soirée de ta cour, c'est ta copine, oui. On t'a vu danser. Tu as dansé avec qui là-bas, jamais, je ne t'ai même pas vu. Là où les gens, tu es resté assis. Au fond, là-bas, là que tu es parti. Je ne t'ai pas vu danser, peut-être que je m'en ai. Je t'ai pas vu aller danser là où les gens dansaient. Je t'ai pas vu en joie. Comme si j'étais gonflé comme ça. Comme le Daploka. Il m'a amené par votre cerveau, ça était là.
Oubliez la veuve joyeuse. Une veuve très très joyeuse qui mange très très bien. Je vous dis d'abord. Pardon. Je vous dis d'abord que reste avec moi. Moi, j'ai d'abord sans scrupule, vous me connaissez très bien. Je suis parti la soirée parce que j'ai fait la promotion de la soirée. De ta copine. Autant ta copine avait besoin de que tu fasses la promotion. Tu as été en train de faire la promotion de ton mangeur au Cameroun. Et moi, je vais faire, j'ai fait la promotion de faire de l'île ici pour. Les gens qui sont venus là-bas à la soirée là parce que c'est un mauvais joyeuse. Je n'ai pas entendu une personne qui dit que je suis venu parce que c'est compresseur. Donc, c'est ta copine, arrangez-vous là-bas. Vous allez dire moi, elle et moi, on a une autre relation. Et ça restera comme ça entre elle et moi. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes là maintenant jaloux. Tu es la soeur de ta copine, tu as. On va te mettre, on va te mettre là où il y avait des dips. Nous tous on était dips, c'est moi là où on nous a filé là, hein, à l'entrée. Cela on était dit. Après, quand on arrivait, ça s'est arrêté là. Nous on était ici. Les autres continuaient, was, au paradis là-bas. Donc, on va dire quoi sur ça? Si tu allais au paradis, elle m'a dit que, hein, comme ça, aller au paradis avant la veuve joyeuse. Mais tu sais, on était assis derrière. Je dis que, quand on connaît, on fait des choses. Paradis de ça. Toi et moi, c'est arrêté que la gueule aille. C'est ce que vous êtes. Les Michel se vont continuer. Was. Les Pamela se vont continuer. Was. Kunangero, was. Et Boabala, was. Tout faux, was. Tous les stars, comme dit que les dupes qui avaient payé l'argent, qui avaient l'argent, sont passés was. Devant nous, on était derrière. Donc, tu vas me dire quoi? Tu es comme moi. Moi, chez moi, il y avait la joie. Il n'y avait pas de fille villageoise. Il y avait la joie dans ma table. Il n'y a pas de problème. Parce que quand on commence, vous ne voyez pas. Quand j'ai l'électro, j'ai arrivé à me compenser. Mof! J'ai la soucis avec en état. Je suis là, hein? Mais moi, je ne raque pas les fonds de ma vie dans les maisons des gens, hein? Je ne raque pas les fonds de ma vie dans les fonds des gens, dans les maisons des gens. Ah ouais, mais je prépare, je mange bien. Donc, amène quand même. Prépare le gombo chez Tangala tranquille. Tu es venu pour préparer chez Oshiga. Vous oubliez trop, n'oublie pas que là où tu es là. Là où tu es là, là où tu dors aujourd'hui. Là où je reste qui a trouvé la noix là. Vous oubliez, dites-vous, vous savez pas comment faire, vous faites souvent pour tomber. Tu as dit d'abord où? Tu travailles pas en France. Hein? J'ai dit que tu de quoi on t'a répondu que tu travailles à quoi? Tu as produit quoi? Où est ta maison? Hein? Tu as posé où est ta maison? Tu dis que les gens qui ont posé ici ne font rien en France. Toi, tu es venu, tu as posé, tu as quoi? Si un gouvernement ne te tenait pas la main, quand tu vas-tu vendre les terrains de ton grand pauvre village pour donner à un gouvernement? Un gouvernement, on l'a entendu. Tu as tué le Cameroun, mais pas au Cameroun, non? Et là, on battait comme ça, on ne veut rien. Hein? J'ai ça, on mange ça. Mais comment on va manger, même si je m'entends pas avec lui. On mange ça, on va comment lui pas travailler. Hein? Toi, tu es poulet dans les maisons, sur les têtes de fer avec des grosses lèvres. On dirait les pneus Michelin. On mange un chien comme ça. Pardon? Comment vous vous ennuyez? Allez, on se demande, non? Comme toi, aussi, là, vous avez faim. Vous quittez Kouya.
pour aller errer encore dans la famille là-bas aussi. C'est une grosse. Vous venez, vous allez vous venir ici à vous arriver. Moi je mange bien, je vis bien. Hein? Tu as entendu que j'ai trouvé les pommes de terre un jour, ou les oranges, ou la téléphone de mamie, d'accord? Quand je respecte les gens, quand je respecte les gens, je respecte. Donc, comme tu dis que, comme Jean-Louis me sent, j'ai aidé mon ami, toi, tu vas même être ami avec la baronne de Suisse, j'avais rien à foutre. Va être la ami avec qui tu veux pour tuer ton frère, je m'en fous. J'ai déjà fait la paix avec Jean-Louis Messant et je devais le respecter tous les jours de ma vie. Tu allais mourir là-bas, au moment pas Jean-Louis Messant est entré avec sa femme. Je l'ai guetté là-bas. Bon, ils sont entrés, hein, mari et femme, oh, hein. Toi, tu es entré, tu étais derrière toi. Elle est entrée comme si elle ne savait pas que la nouvelle joyeuse, on m'a aussi appelé mon nom. Ouais, bon. Tu as vu qu'on a appelé. Mettez les gars, pardon. Pardon, on fait les duels, vous ne mettez pas les étoiles, vous ne mettez rien. Mais vous aimez seulement les commentaires. Parce que la roche n'a pas de vos commentaires, n'a pas de vos étoiles. Hey. Tu pars dans une soirée, maman. Elle grondait là-bas jusqu'à. Tu pars à la soirée, tu pars à la soirée pour attacher le visage. Hein? Pour attacher le visage ou bien tu pars pour soutenir ta copine. Moi j'ai bien soutenir ta copine jusqu'à la fin. Vous savez que je sors de l'hôpital, hein? Merci. Je sors de l'hôpital, hein? Qui m'a mis ça? Hein? Moi je sors de l'hôpital, où? Et là, je sens ça sur moi. Depuis, imagine, je ne sors même pas. Je suis allé, je venais m'accompagner à la petite fille à la garderie. J'ai dit que normalement je la garde ici aujourd'hui parce que je peux pas sortir avec elle. Parce que je ne peux pas sortir. Donc, tu as mis car elle a sorti le jour, non? Ah bah, mais quand même, oubliez la pauvre, misérable veuve de Suren. Mais là, c'est lui qui me tient de pauvre. Ah, mais quand même, tu me vaux? Tu me tiens de pauvre quand tu as mangé chez toi? Tu as appelé parce que vous avez la prostitution chez toi. Regarde le monde dans lequel tu vis. Le monde des vauriens, de rien temps. Le monde des ténèbres. Regarde toi, tu vacilles partout. Tu cherches là où tu vas crêcher l'hiver ici. Et il fait très fort dehors. Hein. Ah mais quand même, il cherche là où il va aller cailler. Oh chez ta maman. J'espère que tu as confiance. J'espère qu'il va t'épouser. Hein. Parce que comme il fait très très fort là encore, il est derrière toi quelque temps après, il va te quitter, il va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Tu n'as pas laissé avec Edith Kamdoum, pourquoi? Parce que Edith Kamdoum ne vit pas à Paris. Edith Kamdoum dit ailleurs. Du coup, parce que Edith Kamdoum va lui payer un logement, va lui payer un logement sans qu'elle soit dedans. Hein? Vous savez, Edith Kamdoum a laissé à Oshiga. Que j'ai là. Que j'ai là. Ne m'amenez pas de sorcellerie là, sur le corps, pardon. Un chine comme ça, tous les jours, il fait le travail de gogo, ça avec ses longues boules, ses longues lèvres. Hein? Maman, tu es comme en prison chaque jour au Cameroun. Pensez à pas que vous êtes mis en prison comme le fait au Cameroun. Hein? Tu es là mis en prison au Cameroun. Faux, usage de faux. Les bandits se reconnaissent et puis où ça bouge sur moi. Avec ces lèvres, je dirais, les lèvres de pneus, les pneus Michelin, gonflés comme ça, afin de lécher le chida. On dirait les poulpes. Et je veux faire être ici chez moi. Tu entends, non? Ahmed, Ahmed, tu ne m'atteins même pas. Tu es un pauvre type. Pauvre type. Il fallait venir, non? C'est ta reine qu'un, non? Mais n'oublie pas que si tu as le niveau de faire une aujourd'hui, c'est Nabo Jacques qui a donné le numéro 1. Hein. C'est moi qui donne le niveau de faire une, n'oublie pas ça. Et comme n'oublie pas que là où tu dors là chez Oshiga, là, c'est moi qui a fait Oshiga et une maison. Alors mes connaissances qui est ici, c'est ça. Qu'elle le veuille ou pas. Oshiga vivait dans un foyer de femmes battues ici. Si n'était pas moi ce qu'elle vit, tu dans le foyer là. Et tu ne l'as même pas la connaître. Parce que si elle est populaire aujourd'hui, on connaît Oshiga. C'est moi qui mets Oshiga dehors, qui fait en sorte qu'on la connaisse.
Elle était connue dans le tribalisme, là, oui. Elle était connue, mais pas dans notre truc de Mbrakata. C'est derrière moi qu'elle connaît le Mbrakata, qu'elle entre by force, qu'on la connaisse. Donc, n'oublie pas que là où tu dors, c'est toujours moi, moi joyeuse. Oui. Elle dit, pour qui tu appelles qui est pour qui? Tu me connais où? Tu m'as déjà raconté un jour? Il dit, tu me connais où? Ah, man, le matin, les gens, les bons hommes se lèvent le matin, se lèvent, ils boivent le café, ils prennent leur voiture, ils chèrent leur croûte. Lui, là, il se lève avec ses grosses lèvres, avec sa grosse voix de mendiant, de pédophile, de gigolo à la noix. Il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter les femmes. Je suis dans mon pauvre HLM, c'est mon HLM. Tu as jamais appris que la voiture, je l'ai mis dehors quelque part. On va chasser ici, on va faire ceci. Jamais, je ne peux pas m'en aller à temps et en heure. Toujours. Allez vérifier. Je suis là, dans ma maison, je peux m'allumer, je paye tout. Tu m'entends? Tout le temps, je vais me faire. Je suis dans un HLM. Là où tu dors, là, au chez la vie ou dans une maison, tu ne dors pas dans un HLM. Au chez la dors dans une, peut-être un HLM, une chambre, je crois. Les maisons de transition, un HLM, là. Avant qu'on lui donne une grande maison, on appelle ça une maison de transition. C'est dans un HLM. Tu vas squatter, tu squattes chez une femme dans un HLM et tu m'insultes moi. Eh bien, dis donc. On va tout voir ici. Hein. Sachez que je ne vous lâcherai pas dans iota. Depuis que tu as commencé ta story, ta love story ici à Moshiga, nous sommes voix, on passe. Je ne m'attends même pas sur toi parce que votre buzz là même. L'homme est laid, la femme laid, donc vous deux là même, ça n'a pas de sens. Hein? Vous avez choisi un mauvais camp. Donc, pour finir, bon, c'est à toi alors, si tu veux. Si tu veux commencer clash avec moi en disant que tu avais embrassé un casque parce que j'allais les la foutre. Je suis parti là-bas pour filmer les gens. Si tu voyais comment quand ça chicote, j'allais vous filmer comme ça là. Moi j'étais en joie le jour là. Je ne suis pas parti là pour attacher mon visage. Est-ce que tu as vu danser? Tu n'as même pas dansé. On t'a vu te lever là où tu étais assis. Là on t'a mis de. Comment on a pas fait la chaise du rat là-bas au fond là-bas. On t'a vu. Les vrais stars sont passés devant nous comme ça. Nous, on arrivait. Couillant, on s'arrête là. Les autres stars, non, là, qui étaient dans le tapis rouge là-bas, là où tu voulais aller t'asseoir, passer, was. On les filmait, tu racontes là où ils étaient assis. On les a vus. Donc, ce n'est pas de ma faute. Hein. Moi, les tapis rouges et machin sale, je ne suis pas friand de ce genre de choses. Moi aussi, on me dit que je m'assois derrière. Mais moi, au moins, on m'a mis dans une chaise que je pouvais voir tout ce qui se passait. Toi, on est parti se cacher là-bas au fin fond. Comme quoi, on t'efface, on te gomme des vrais gens. Tu as dansé. C'est ta copine, c'est votre copine. D'ailleurs, moi, je n'ai pas dans votre relation. Est-ce qu'on t'a vu danser? On t'a vu filmer quoi là? Tu as filmé quoi là-bas? Peut-être toi-même, hein? Parce que tu n'as pas vu avec ta caméra. Ou bien tu as envoyé peut-être quelqu'un filmer la salle, comme tu avais beaucoup de gens là. Mais moi-même, je me levais pour filmer, hein? C'est moi-même qui filmais. Donc, j'avais pas le temps de voir qui embrasse qui. Quand ça se passe, c'était pas assez star. Je n'étais pas bien saluer Michel et Somba. Peut-être que vous vous êtes salué. Je ne sais pas si vous êtes salué. Parce que les gars que j'ai vu, comment vous regardez là, j'ai vu ce qu'il y a dit sur Roche ici. Je n'étais pas bien saluer n'importe qui. Il y avait beaucoup de stars là-bas, tu pouvais les saluer. Donc, ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis parti faire même un bon reportage. Elle te dit, tu n'as pas que parler de ça. Va m'inviter que la maman joyeuse. Viens. Et que tu peux venir. J'irai. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Toi-même, tu ne connais pas parler de ça. Ce n'est pas ton frère, ça, parce qu'il est bassin. Oui. Il est allé sortir ici que tu as même accouché avec lui, ici. Tu ne peux pas qu'on soit des archives ici. Publicité. Là, bien non pas.
Maman, j'ai dit zéro pas à Facebook. Je suis zéro pas. Insultez-moi si vous voulez. Je suis prête. I am the prêtre. Ne calculez pas parce que je suis faible à ce moment que j'ai fait mon opération là que je ne peux pas trop parler. Hein. Sachez que je suis là, je bois mes médicaments comme il le faut et je me soigne. Au fur et à mesure que je mange, je me soigne, je me lève, je mange bien, je dors. Mais la force revient sur moi, je guéris. Je ne vous ai rien fait. Je ne suis pas parti à la tête pour aller regarder qui là-bas. Je suis parti pour faire mes reportages. Et vous regardez à ma page, j'ai bien filmé tout le monde. Je me suis embrassé avec tout le monde. Même les gens que je ne connais pas, j'ai filmé tout le monde, sauf toi. Parce que tu ne m'inspirais pas. Il y a même ta copine Brigitte. Celle qui a le salon de coiffure là-bas, qui voulait que je vienne te saluer. Elle insistait que je vienne avant de la saluer. Que pas. Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui dois me lever pour te saluer, toi? Tu es une conjaga. Que je me lève pour te saluer. Tu t'es tendu la main une fois, tu m'as chuté encore, mais que tu me chutes encore. Mais ça, c'est déchargé. Viens, alors, je vais chercher. Fourrure en France, hein? Retourne alors et vis Gaïa, là où tu prostituais tes soeurs. Vas-y encore là-bas, on voit, non? Vas-y! Hein? Tu as dû te dormir là où j'ai aidé pour que ta copine est en toi et tu me parles de moi. Je suis dans mon âge de lui. C'est si tu n'entreras jamais ici, on gada. Tu es non gada, on gada. Tous les stars, même pas, ne s'en viendraient ici manger avec sa femme. Les petits pètes étaient des dents ici. Ils viendront manger. Ils vont organiser ici. Ils vont venir manger ici. J'ai fait quoi? On fait la peine. Ne pas te voir avec le lot aujourd'hui. Tu vas laver le lot, non? Tu n'as pas le lot? Aussi, on n'a pas lavé le lot ici. Ne pas vous voir là que vous partez là-bas. C'est devenu votre famille. Hein? Aussi, on n'a pas insulté Ngosa ici. Ngosa. Aussi, on n'a pas fini avec toi. Dis la vérité. N'est-ce pas que tu as accueilli Ngosa chez toi? N'est-ce pas que tu as accueilli Ngosa? N'est-ce pas que tu as accueilli Oshiga chez toi? Jamais. Eh, Zachir, hein? Quand c'est moi, après vous parlez de moi, je suis une star. Après, toi, on m'a dit à Canal 2. Pourquoi quand c'est moi, ça commence à chauffer? J'ai fait quoi? C'est quoi? Pratiquement tout le site pour le bon, mais. Vous aimez seulement la guerre à Facebook? Que parle ça? J'ai fait la paix avec lui. Il a un produit qui me va et son produit me va très bien. Et je suis avec lui. Et je voulais le respecter. C'est comme ça. Encore, toi-même, tu ne connaissais pas mes sarous. Mais ça, tu ne connaissais, oui, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur vous deux là. Hein. Tu as oublié ça? C'est toi qui parles à quel point de manger chez pas mes sarous. Hein. Quand je partais chez pas mes sarous un jour, je ne sais pas quand. Un jour, j'irai là-bas aussi.
Tu vois, moi, je ne vais pas raquer le pont de moi, ma cueillir là-bas comme une princesse. Je ne vais pas raquer le pont de mamite. C'est une mutation qui a dit ceci. On a compris. Que lieu d'aider quelqu'un, au lieu de passer mon temps à rendre les gens faibles, je peux que les gens continuent à raquer les fonds des mamites. Ici, là, elle avait fait le direct ici, j'étais là, j'ai vu. Qui raque les fonds de mamites chez qui? N'est-ce pas toi tu avais raqué les fonds de mamites chez pas, mais ça n'a pas, tu oublies. Ta patron t'a rappelé ça, au lieu de t'aider, pour que tu continues à raquer les fonds de mamites, comme on t'a dit quelque part, mieux tu travailles. Vous croyez que moi si je ne regarde pas sur Facebook, je regarde hein. J'ai d'abord faim, j'ai soif. Donnez-moi mes médicaments. Ça, je vais être peignant. Ayane wanda manyane wanda yo we ga ten ba pa 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 pa. Je ne suis pas là pour garder ton amitié. Les gens qui t'ont posé au moins, c'est vrai, ils te parlent. Pas mon santé, quand même, nourrir. N'oublie pas ça. Oh, je ne suis pas maintenant. Je t'ai vu dans le duel de. De là, la baronne de Suisse. Tu devrais avoir honte. Hein? Tu devrais avoir honte. Par contre, tu en as dit, comment tu étais avec ce couple-là, matin, midi et soir ici. Hein? On t'a vu ici? Ah, mais quand même, ne parle pas. Hein? Elle dit que tu n'as pas fait le direct parce que tout le monde. Mais attends. Mais moi je suis ça. Moi j'ai fait parce que quand c'est comme ça, fait le lit aussi parfois. Elle va regarder nos directs. Elle ne poursuit pas certaines images pas de la soeur parce que tu filmes. Elle ne filme, elle filme pas parce qu'elle était jalouse. C'est tout. Il n'y avait pas de ça qui était là. Il y avait la grosse jalouse qui était là. C'est tout. Quelqu'un nous appartient nous tous. C'est autre que quelqu'un nous tous. Attends, quand tu veux ta soirée, tu ne me verras pas. Moi, tu m'as déjà dans mon mariage de Paris là. Parfois, m'invite que je ne parle pas. Vous foutre quoi là-bas? Laissez les gens tranquilles. Tu ne filmes pas parce que. Regarde le morceau de viande, ma. La queue de bœuf que j'ai mangé. Voilà la nourriture qu'une femme convalescente mange. Tu as vu? Avec une petite pépé soupe. Voilà. Abîme-té. Hein? Le film, c'est ta copine, non? Ta copine t'a remercié. Tu devais faire quand tu es arrivé là-bas, tu faisais comme moi. J'ai attendu que la fête commence. C'est là que moi j'ai allumé toutes les caméras. J'ai fait et les photos et les vidéos. J'ai filmé tout le monde. Ça, c'est bien. Moi, j'ai filmé tout le monde, même les vendeurs de mon cou. Je les ai filmés là-bas. Je ne savais pas que j'ai filmé les vendeurs de mon cou. Là-bas, la porte. Oui. J'ai filmé tout le monde dehors. J'avais ma caméra dehors. J'ai filmé tout. Ben oui, tu parles à faire ta copine, tu filmes tout. Tu n'as pas filmé parce que tout le monde avait les caméras, c'est faux. Parce que tu ne voulais pas le faire parce que tu étais jalouse, c'est tout. Oui. Parce que tu étais contente, comme tu as appris que j'étais à l'hôpital, tu penses que je n'allais pas venir, je suis venu. Tu pensais que Parme, ça n'allait pas venir. Parme, ça n'est venu. C'est tout. Et moi, je n'ai pas d'abord pour moi, mais Parme, ça ne me regarde pas. Mais que mon nom ne soit pas. Là, c'est ta cour. Bien sûr, là, tu es en amitié avec ta cour. Je disais à une relation avec tous les yogas des réseaux sociaux. Chacun a sa façon. Tu penses que ta copine fait une dame, c'est toi qui dois rester là même. Tu es gentil, tu vas, tu fais l'harmonie. Moi, je m'entends avec Michel Somba.
mais je vais quand même filmer. Je partais filmer les gens que je ne connais pas. Tout le monde qui était assis en premier rang là-bas, je les ai filmés pour les montrer. Parce que ceux qui après vont regarder les vidéos, je les ai filmés. Et c'est comme ça que les gens coupent les vidéos pour les mettre dans leur page. C'est comme ça. Elle était là-bas, elle est comme l'ouragan. J'ai dit qu'elle est comme l'ouragan. Je disais qu'elle était gonflée jusqu'à. Hein? Est-ce que c'est bien? Meilleure huile, mes waros. Meilleure huile. Star British. Oui, je n'ai pas d'avoir problème. J'ai appris mon camp. Et je suis prête. Donc, quand vous faites vos choses, là-bas. Donc, oubliez-moi. Chaque personne va me dire 14h chez lui. Vous ne me voyez pas chez vous. Vous avez appris la voix, je vais venir rater les fois de mamie chez moi. Donc, une fois pour me parler mal. Tu me parles mal, je t'attends chez moi, non? C'est tout. Voilà. Puis je mange bien, j'ai bu mes médicaments. Je dors. Thym caramel. Voilà mon produit que je mets. Achetez ça chez Parmesan. Voilà, vous voyez pas que c'est pareil. Ça me donne un vrai thym. Hein. Star Beach, yop. Allez payer. Quelle personne fait la punition de l'autre maintenant? C'est comme ça. Tu as choisi des glutations, mon machin, tout. Assume les glutations. Parce que quand j'avais vu ton teint là, ça ne ressemble pas à glutation, hein. Moi, je n'ai pas que je suis dans ma maladie. Pas dans ma maladie, non, je suis pas malade. Je suis où je suis là, carrément. Les gens me cherchent des problèmes. Moi, je suis prête, hein. Quand quelqu'un me fait tchac, je suis prête. Je commence à aller mieux. Je suis prêt, je peux y m'asseoir, même debout, il ne peut pas me dire debout. Parce que même debout, même encore, je suis malade. Même si le cas est bon, il commence à tourner ma tête. C'est quoi? Je suis prêt. J'ai tant de temps que j'ai embrassé l'autre. Oh, je n'ai pas embrassé. C'est ça que tu as embrassé, maman. C'est ça que tu as embrassé. J'allais même filmer, hein. Parce que moi, j'ai filmé tout le monde. Le but, c'était quoi de filmer? De montrer la positivité de la soirée. Tu vas prendre les raisons, bête. Je ne voulais pas filmer parce que tout le monde a filmé. Qui filmait? Qui était tout le monde? Tout le monde a filmé sa joie. Toi, tu as montré quelle joie? Rien. Ma co. Les copines de ça. Moi, je parle, je m'en fous, je m'en tape. Quand même une personne soutient les gens, hein. Pas seulement venir soutenir que je suis l'ami de Fleur Lily, c'est ma co. On a demandé ta co à Facebook, hein. Quand ta co t'a lancé que ce n'est pas, est-ce que tu devais être assis? Maman, devant tout le monde. La honte de ça. Confiance en quelqu'un. Tu devais être assis au Shabbat. Tu vas d'abord payer combien? Moi, je m'en tape. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, je marche avec la racaille. On dit que les choses doivent changer. Il y a certains gens qui ne veulent pas changer les choses. Parce que la première journée était à la soirée. C'est pour ça qu'on n'a pas filmé. Parce que on va pas saluer parce que j'ai insulté. Quand tu as insulté ma mère, tu as oublié ça comme ça. Tu as insulté ma mère ici. Quand on s'est rencontrés, on a recommencé à zéro, hein. Elle n'est pas comme les autres familles. Non, il y a des problèmes là à ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit toujours ce qu'elle pense.
On me dit que Compensa a dit que Julien ne m'a pas salué parce qu'elle t'avait embrassé. Moi, j'étais là quand elle t'a embrassé. C'est dans ma table où c'est toi qui t'es déplacé pour aller tu t'es déplacé pour aller l'embrasser ou bien c'est parce que tu n'étais pas dans ta table. Hein. Sinon, moi, j'allais filmer. Parce que c'est moi qui avais la caméra, j'allais filmer. Moi, je n'ai pas vu là que vous êtes embrassé. Hein. De toute façon, moi, je me passais mon temps à filmer. Mais si elle venait quand elle a incliné, parce que tu es la première personne, tu es la première personne à dire compresseur. Est-ce que je t'ai dit qu'assois toi? Non. Tout le monde a filmé compresseur dans ma table. Moi, j'étais assis. Je me lève par rapport à quoi? Je vais la saluer par rapport à quoi? Alors, c'est tout. C'est tout. Attends. C'est quoi? Il ne règle pas les fonds de mamie des gens. Hein? Donc, voilà. Je ne veux pas me retrouver avec les gens. Comme on laisse ça. Non, je ne joue pas l'amitié avec les gens. Où. Comme on laisse, je mange ma nourriture. Allez, après, on va sortir après. Hein. Moi, j'ai mis mes chaussures pour sortir. Bah, pas maintenant, tu vas mettre le pantalon. Moi, je mange d'abord, après, je dors. On va sortir le soir. Hein. Mais non, pas le pantalon, sinon, je vais remonter mon pantalon. Ah ouais, je vois ce que je veux. Je veux te mettre un petit jogging. Hein? On va mettre le manteau, alors on va partir tout à l'heure. Je vais d'abord dormir. Hein? Parce que je bois le fil de manger, là, je dors d'abord. Mais on ne boit pas de la bière. Ah non, pas de bière, on boit que de l'eau. Non. Aussi, hein? On peut boire du jus. Oui, on peut boire du jus, on ne boit pas la bière, c'est interdit. Bah oui, parce que on va repasser la bière de l'eau. Mm-hmm. Mais la bière, c'est pas bien avec de l'eau. Il n'y a que du jus et de l'eau. Il n'y a pas du vin. Et mamie, toi, tu aimes que le vin, mamie. Quoi? Toi, tu aimes que le vin. Oui, mais pour ça, je peux pas boire le vin. Mais hier, tu as bu le vin. Ben non. Mais si, hier. Quand ça? 6 heures. À 6 heures? Oui, tu as bu. Ah ouais? Le vin, tu as bu. Oui, 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 je veux du jus. Va prendre le vin. J'ai un peu de vin à 6 heures. Non, moi, tu peux amener quelqu'un en prison. Hein. Moi, je veux t'amener. Tu vois qu'à l'heure où je lis, l'heure dans le canapé, je peux boire le vin. Prends le vin. Yes, yes, yes. Puis là-bas. Où est ta bouteille d'eau? Elle est là. Viens me donner, je mets. Tu veux de l'eau avec du jus? Bah oui, il faut que je mette de l'eau avec du jus là. C'est économie. On prend maintenant le format économie. Mmh. Mmh. Et tu me dis stop? Stop! Voilà. C'est pas bon? C'est bon? Mmh. Mmh. Santé alors. Mmh. 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 Mais j'ai besoin de son pardon. Dis donc, fiche-moi la paix, dis donc. Qu'elle va chier, dis donc. On commence à la guerre là, j'ai peur d'elle. Oui, elle fait quoi? Qu'elle va chier au lac. Hmm? Elle est bipolaire, c'est tout. Une fois, j'étais au Cameroun, je l'avais appelé, on l'avait coaché, en plein direct. Là, tout le monde m'appelait avec Warus, Warus. Pourquoi elle est facile tout aussi? Ça, c'est mon lait. Mamie, ça c'est ton préféré. Mm-hmm. C'est mon lait, c'est mon préféré. Ça c'est ton lait. Avec du savon.
Avec du savon. Avec que le bon, ils vont pardonner. J'ai qu'elle fait la part avec elle, c'est tout. J'ai pris du savon. Quand elle va mourir au lac, dis donc. Prends du savon. Du savon, du savon. Comment ça, ne pas parler avec moi comme j'ai un problème avec mon sang. Quand elle commençait à pleurer avec mon sang, elle était là. Elle était là. On a dit que je m'en fous. Ça, je n'ai pas faim. Hein. Moi, je te parle, je n'ai pas faim. S'il te plaît. I want to buy, buy. Prends le verre, tu vas là-bas. Je n'ai pas faim, pardon. Je n'ai pas faim de mamie. Si vous voulez que j'ai encore la gueule à Facebook, je suis prête. Hein. T'es prête? I am the prête. I am the prête. Oui. I am the prête. I am the prête. Insultez-moi. Je vais vous reprendre à la hauteur. Et quoi, vous pouvez avoir les arguments, ça, non? Et quoi le problème de famille? Parce que Jean, ça m'avait invité. Mais on ne sait pas pourquoi. Si il m'a invité, parce qu'il a vu que je suis devenu une bonne personne. Il y a quand même toute la publicité, non? Il n'a pas fait la publicité de star, me semble. Alors, en plus de ça, je suis une star. Il m'a invité pour la publicité. Je suis une star. Et les gens payent. Vraiment, beau teint, j'ai un très beau teint. Très beau teint. Et elle me défier. Toi, tu fais la publicité. Toi, là, tu parles de... Tu connais l'invitation où? Tu connais pas l'invitation, je parle, ma sang. Vraiment, hein. Parlons, on va parler, on va aller loin. C'est pas Pamela qui t'a présenté l'invitation. Après, je me souviens qu'au début, là, c'est pas Pamela qui faisait son publicité. Hein? Pardon, ne m'amenez pas votre baloc là, de haut corps. Comme je suis prêt, hein, mon nom, quelqu'un m'a fait le direct. Vous m'envoyez seulement, j'allais écouter. Je te réponds en fonction. N'oublie pas que ta machine là. C'est les amis de Pam, ça. Aujourd'hui, c'est la guerre. Voilà, non. Oui, je vais vous dire, c'est pas vrai. Moi, je dis que par l'histoire, depuis hier, ça ne m'a pas honné. Comme on dit qu'on a dit, que. Pourtant, je vérifie, c'est vrai, pardon. Ah, mais quand même, moi, j'ai la tour Eiffel, je vois la tour Eiffel. Moi, je dis, pour le balcon, là où tu vis. Là où tu crèches aussi, là. Je sais alors, attends, on va la faire, je finis de manger. Oh. Vous voyez que nous sommes voyés ici à Facebook. Hein? Encore quelqu'un. Encore quelqu'un. Moi, je ne sais pas, ma chance, je connais les petits PTT qui sont gentils avec moi. Les femmes travailleuses. Je n'ose pas que tu parles avec mon beau-frère.
L'an 2000, c'est qui pour moi? Mon beau-frère, non? Il n'y a pas quand j'étais à Copalage, je te dis avec mon beau-frère à Copalage. Comment est-ce que c'est pas mon beau-frère là? Voyons. Moi, je veux dire quoi? Tu peux vraiment faire ça que tu parles avec mon beau-frère, non? Reste ton ami, de toujours. Alors? Faut laisser ça, hein, comme ça. Je suis pas votre enfant, hein. Parce que quand on ouvre la bouche ici à Facebook, je suis prête, hein. Ma bouche ne porte pas les caressons, hein. Regarde. Oui, j'ai vu. Oui, merci, mamie. Moi, je t'appelle plus papy, je t'appelle mamie. T'appelles comme tu veux. Je t'appelle mamie. De ça parce qu'elle est une mouf là-bas. Borde, qui est là-bas? Qui est là-bas? Qui est là-bas? Tu m'en fous, cher, parler de moi ou pas? Pourquoi tu es malade? Pourquoi elle a dit que. Si elle ne parle pas de moi, pourquoi elle dit qu'elle a préféré saluer un casse? Parce que le casse était avec moi. C'est à quoi il voit? Je ne salue pas les gens qui ont manqué de respect à ma mère. Je ne mélange pas. C'est, qui était assis avec Katia, n'est pas moi. Arrêtez votre hypocrisie là. Hein? Moi, je suis, vous avez dit, je suis conversant, je suis malade. Mais ça, je ne sors même pas. Je veux quand même sortir la petite tout à l'heure là. Juste un peu dehors. Dormir un peu. Non, elle est là, en fait, vous ne chauffe pas. Hein? Si j'ai fait une erreur dans cette vidéo, je demande des excuses, mais même à qui même. Mais il faut faire attention. Hein? Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui disent sur moi, il y a des choses qui disent. Ça veut dire quoi? Toutes vos choses là-bas, moi, je suis parti faire ce que j'avais à faire. On m'a quand même opéré quand. Mercredi, hein? Je suis quand même fait plus mes forces, j'ai même mis les talons, jusqu'à que je suis même parti. Jusqu'à que je suis même parti à. Hein? Au truc. Donc voilà. Non, arrêtons un peu. Autant les problèmes. Éteins le truc là. Laissez-moi comme ça. Viens, non?
Allô? Oui. Bonjour, pardon. Tu fais quoi? Je voulais éteindre. Comment? J'ai éteint. Ça va un peu, ça va déjà un peu. Ça va un peu, c'est le ventre. C'est le ventre qui me fait mal. J'ai opéré, j'ai opéré. Ouais, ça s'est bien passé, mais ça fait très mal. Bon, je te laisse, hein, matin, je veux dormir, je vais boire des médicaments. Ok, on fait comme ça. Là, je vais venir faire. Là, je vais venir faire. Ok. Bon, je vois chez vous, là, je ne veux pas de problème. Vous savez, vous êtes que quand une lionne est à terre, c'est là que vous prenez les morceaux de ma, le bâton pour venir me taper sur ça. Laissez-moi, je souffre là où je suis ici. Je souffre. Oui, c'est pour mon bien-être que j'ai fait cette opération-là. C'est pour mon bien-être. Et je dois souffrir pour être belle. Donc laissez-moi d'abord que mon ventre devienne, que je, d'ici même samedi, même pour commencer. Parce que d'ici samedi, j'arrête d'être à mon dos samedi. Pardon, oubliez-moi, pardon, je ne veux pas les problèmes. Un mec avec qui sort là-bas, le Moussa qui lance les pics là-bas et tout ça, c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec moi. Je suis parti la soirée, et si je suis maintenant ami avec Parmesan, on t'a dit que Parmesan, et moi j'appelle Parmesan, pour dire que Parmesan, bonjour. Tu l'as dit que tu l'as fait que jamais. Parfois quand ça dit, je dis bonjour Parmesan, ça était au Cameroun, oui, c'est tout. Et je fais leur publicité, c'est tout, parce que je respecte l'intimité des gens. Même toi et moi, c'est même pas très rare. Tu vois quand ça dit, elle me dit, mais vous savez comment je te vois même plus à Facebook, je dis que je suis là. Moi, je me mets là-bas, je dis que comme j'espère que tu vas bien, c'est tout, c'est tout, j'espère, c'est tout. C'est, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait le coco ça. Donc, si vous voulez, j'ai acheté un nouveau Japapa Facebook, que mon nom est mêlé dedans. On va faire des bourganjanga, on va faire du sale. Je dis bien qu'on va faire du sale, parce que moi, je sais salir. Et vous savez aussi me salir, on va faire du sale. Et moi, je n'ai pas honte de quelque chose, parce que la tête de Nyam mal cuisse là, il y a eu beaucoup de choses. Je ne vois pas les problèmes, laissez-moi d'abord que je guérisse, s'il vous plaît. Vous laissez guérir d'abord, on entame les problèmes. Là où je suis, je souffre beaucoup. Fils, bonne journée. À bon entendeur, salut. Et à mes camés, j'étais allé. J'étais allé. Tu m'entends, non? Sache que là où tu dors, là, maintenant. Là où tu dors, tu es au Chiga, là. C'est derrière moi. C'est derrière moi. Mais pas changer, moi. C'est derrière moi. Au Chiga, dormir, c'est dans un foyer de femmes battues ici. C'est pas dit que j'ai aidé aussi. Donc tu m'as dit que je suis dans un pauvre HLM. Tu m'as entendu que je suis dehors un jour. Laisse-moi mon pauvre HLM. Moi, j'ai la tour Eiffel. C'est mon héritage, j'ai la tour Eiffel. Tu m'as dit pauvre que je suis pauvre par rapport à quoi? C'est toi qui m'habilles. Tu m'as déjà envoyé un agent de Litchi un jour. Là où tu es en train de cirer au Chiga maintenant pour avoir le lit et avec ce qui va avec. Le lit, le cul qui va avec, avec le foie qui est dehors aussi. C'est facile. 53 cm. Tu vas voir même que c'est un petit bout comme ça là. Qui a déjà dit de toi? Oui, c'est bien. Qui a jamais dit tes 53 cm là? Hein? Tu vas faire comme ça, c'est un petit mince bout tordu comme ça là. Un petit mince bout tordu comme les matos piqués qui piquent comme ça là. Parce que les vrais hommes qui ont le bazooka ne parlent pas. Parce que les hommes qui ont le bazooka ne parlent pas. Et vous savez que maintenant là, les hommes, on peut satisfaire la femme avec même la langue, on satisfait la femme avec la langue. Tu vas pas faire un homme qui se bat tellement 53 cm et puis tu n'es pas avec une femme blanche. Tu vas pas trouver des vraies femmes qui. Parce que si vraiment tu avais les 53 cm là, hein, c'est que je suis ce que tu es avec une. Tu vis qu'avec. Tu es dans le business des filles arabes là, les filles blanches là, les blondes là. Parce que c'est elles aiment ta qualité. Tu vas aller voir comme ça, tu as un petit marteau piqué là-bas, un petit. Tordu, tordu comme ça, marteau piqué comme ça là. Pourquoi maman, chaque temps, c'est 14 cm, qui a vu? Qui a vu? Les gens qui ont bien confirmé. Hein? Moi, j'ai sorti à des hommes qui n'avaient pas le pénis, hein? Qui n'avaient que le mougoupé, hein? Mais ils savaient faire l'amour, hein? Ils me mettaient en haut puisque celui qui a 14 cm que tu as là. Tu n'as rien du tout. Tu as un petit pénis mince comme ça, c'est tordu comme un marteau, puis que tu viens parler à qui? Hein? Est-ce qu'un vrai homme va venir s'asseoir des réseaux sociaux chaque temps? Que tu. Parce que tu veux que les. Pourquoi? Normalement, les hommes, tu dois faire le porno. Tu sais que tu peux gagner l'argent, non? Tu fais le porno. Je t'amène ici à Pigalle, j'ai des amis ici à Pigalle. Il y a des sites de porno là-bas.
Et les hommes, tu finis les hommes, tu finis les femmes. Parce que les hommes aiment ça. Oui. Tu fais quoi de ton corps? Et là, moi, je vais un couple de beaux, rien de rater, rater, de rampes, qui rampent comme des serpents. Parle-moi. Amène avec toi et moi, depuis que tu as déjà pris le temps comme ça, même pour te répondre. Tu m'appelles hypocrite que j'ai fait hypocrisie avec toi. Si aujourd'hui tu parles avec Frère, c'est derrière avec Joyeuse. Hein? C'est pour ça que le numéro de Frère, n'oublie pas. Hein? Banga woman. Et banga man. Tout ce que vous avez retrouvé. Et ça, c'est mon fort, souvent que tu laisses comme ça. Que... Il n'y a jamais quelqu'un qui fait la polygie de son sexe comme ça. Il vend tellement les 53 cm là. Qui a. Zangayin, 53 cm. Qui a même dit ça? Hein? Les femmes avaient la zaché ici à Paris, les femmes rêvaient seulement. Si tu avais mal le vrai bazooka, tu ne pouvais pas sortir avec 53 cm, tu ne pouvais pas prendre le chiga. Mais comme elle est aussi professionnelle, dans son professionnel, enfin, bref, peut-être. Maintenant, les gars basa qui sont là pour sortir avec une femme là, les gars basa d'abord, c'est qu'il est d'abord beau. Et il sait travailler, il sort d'abord avec les belles femmes. Donc tu sors avec qui les prostituées, les déchets de la nation. Les ratérates, les rapérampes, les vauriens, les gens qui rêvent d'être artistes un jour. Les gens m'ont coupé de mendiants. Fallait voir l'autre jour. Comment C'est ça les lettres. Fallait voir la culture l'autre jour. La transpiration de ça. A. A. B. B. Mais il n'y a pas ça de mon prénom. C'est... Bon, d'abord, apprendre A, B, C, D. Après, on va continuer. Hein. A, B, C, D, P, O, V, A, G, G, K, Malamana, B, F, 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 D, F, A, B, C, D. Mais toi, tu n'es pas la maîtresse. Ben, je peux être ta maîtresse aussi, tu sais. Oui. Je peux t'apprendre, hein. Donc, on était où? Parce que, maman, ici, là, à Pigalle, là, je suis même passé d'abord au folie de Pigalle, là. Quand il faut qu'on aille même faire un tour là-bas au folie de Pigalle, hein? Non, mais n'importe quoi. C'est 4-3 centimètres, il faut qu'il y ait quelqu'un, hein? Et là, mon mendiant, couple de mendiant. Fais-le voir comment il coupe la poule fumée. Tu peux manger, tu peux prendre, tu peux payer la queue de bois, tu peux payer la queue de bois, tu peux manger la queue de bois un jour chez toi. Mamie, regarde. Va jeter, laisse-moi en plus, je suis en direct, avec une soeur, tu me laisses pour parler. Je t'ai dit. Il est là. C'est 4-3 centimes, qui a même vu ça? Hein? Les gens comme toi, parce que tu es charismatique, c'est pour ça que tu aimes un certain nombre de femmes. Oui? Tu adores les femmes bambléquées? Parce qu'elles ne connaissent pas. Parce qu'elles ne connaissent pas bien faire les choses. Elles ne connaissent pas là où se situer. Quand tu ne prends pas une quoi? Tu veux me prendre un jour? Je veux te descendre que tu ne sais rien faire au lit. C'est pour ça que tu ne me prends pas. Tu cherches qui tu peux faire ta maman là? Il y a fait le prénom. Tu cherches qui tu peux faire ta. Oui, c'est bon. Tu cherches qui tu peux faire ta maman là? Tu peux acheter des gens qui ne connaissent pas la baisse. Tu peux venir faire ça avec une coco comme moi. Je veux te descendre ici avec tu n'as rien en bas. Parce que c'est ça. Mais c'est vrai. Il ne parle pas les moins chers. Les femmes qui ne connaissent pas ce que c'est que fuck. C'est tout. Mais oui. Et si tu... Bah, tu connais les vrais gens qui savent faire ça. Tu sais, tu fuis. Tu pars chez les moins chers. Parce qu'elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas toutes ces choses-là. Peut-être, oui. Tu vas prendre le coco, une fille, quoi. Maman va te descendre que tu n'as rien. Parce que c'est pour ça que tu fuis une certaine ethnie. Tu vas prendre une autre ethnie. Mais oui. Parce qu'elles ne connaissent pas certaines choses. Non, mais je te lis les 53 centimètres, tu dis que non. Mais je te vois de. Ça cadre dans la main quand même. C'est ça cadre quand tu couches avec lui. Tu entends seulement qu'il éteint la lumière. Boum, il est là sous les draps. Moi, j'aime d'abord voir l'homme devant moi. Je regarde un peu, fait comme. Je fais comme ça. La voix joyeuse. On va me tuer aujourd'hui.
c'est Ahmed comment ça quand tu attends, c'est pas que dis donc chérie, éteins la lumière là. Tu vois, c'est pas comment il vient. Il n'était pas devant toi comme ça, tu vois comment ça balance comme ça. Hein. Il vient sans comme ça, un rack. Il est déjà sous la couette. Mm-hmm. Et ça, quand tu viens se masturber, tu vas mourir en te masturbant avec ta main droite. Tu vas mourir seul, Ahmed, quand même, tu n'auras aucune femme. Ta femme, c'est ta main droite, tu entends, non, tu me peux. Je veux te laver, tu vas comprendre. Là, mon bâtard comme ça, on ne vaut rien. Tes diplômes là sont où? Et que ta femme c'est ta main droite. Je confesse au Shiga. Quand le Shiga va fumer ton débat, va te mettre dehors, tu vas entendre ici. Hmm? Moi j'ai mis d'abord le matériel. J'ai dit dans mon coquille. Tout le monde est déjà excité. Le sacaté si Amen Kamel sacaté qu'il entre sous les draps rap. On éteint d'abord la lumière en côté. Tu sais que c'est comment ici là? Et il veut faire tout pour monter vite. Après, tu entends, vous me rap précoce. Après, il va te dire que, ah non, tu sais que, comment j'avais tellement envie de toi. Comment j'avais tellement envie de toi. Après, tu vas encore dire que, mais, tu es à Juno. Bébé, on recommence encore. Tu entends seulement que, il commence à ronfler. C'est comment tu sais qu'il était trop fatigué, non? J'ai trop conduit la voiture. Il va te trouver mille excuses. Et toi, tu veux faire. C'est les kinettes, non? Les petits sont tous les petits. Ben oui, c'est vraiment, je connais moi. Maman, j'ai fait l'expérience, je connais les hommes. Je connais les personnes. Le vrai homme qui a le bangala ne parle pas comme ma mère quand même parle là. Il parle trop. Mm-hmm. Et comme il a la chance qu'il a, tu vois, il sort seulement avec certaines femmes, certains ennemis, parce qu'ils ne connaissent pas. Il va prendre une rococo comme moi. Maman, je veux te faire ça dur. Il y a des filles, même quand tu dors, je fais comme ça. Il fait crac. Te voici ici. Il y a un petit mince peigné là-bas qui est tordu comme un marteau piqueur qui pique, pac, 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 qui picole à chaque des gens. Il vient parler dans les réseaux sociaux. Il te connaît où? Tu m'insultes pourquoi? Pauvre, pauvre, pauvre. Je suis dans un pauvre HM. Ça fait quoi? Moi, j'ai une belle vue à mes caméras. Hein? J'ai une belle vue. Hein? J'ai la tour Eiffel. Hein? J'ai de l'air qui passe. Hein? Je vis par là où tu es actifié là-bas. Vous rompez la chambre de Oshiga le matin, vous allez tomber que sur un mur. Moi j'attends les chats d'oiseaux ici. Hein. Bap. Mami, moi je sais toi. J'arrive, je vais fumer la cuisine là-bas. Tu me déranges trop ici. Oh. C'est quoi? Même mon derrière. On a l'espace, hein? J'ai l'espace avec la caméra, regarde derrière là-bas, tu vois, demain où Namango va souvent jouer là-bas, voilà, tu as vu là où, même derrière ma maison, il y a l'espace, donc j'ai l'air qui passe de deux côtés, l'autre côté là-bas, je t'amène là-bas aussi, hein. Tout est comme ça que, maintenant, je ne cherche pas les problèmes aux gens, je cherche à fond, on va dire que la veuve joyeuse a encore insulté les gens. Je vais insulter, vous connaissez bien, non? On va arriver à la CPI de tout ici. Regarde moi ma vue. Amen, quand même, regarde bien. Tu vois là-bas au fond, là-bas? Voilà la vue de la veuve joyeuse. Regarde comment c'est beau. Regarde là où je vis. Regarde. Je vois la tour Eiffel. Tu vois la tour Eiffel là-bas? Regarde bien la tour Eiffel. Hein? Regarde bien la tour Eiffel là où je vis. Tu vois? Ne me tape pas le ventre. Oh. Regarde bien. Le derrière où je vis. Entre vite, il fait froid. Je suis dans le beau quartier, c'est le 92, hein. Rive gauche, je suis pas la rive droite. Badava. Il fallait venir toi-même taper, non? Quand pour ça, quand tu n'as pas tapé la veuve. Hey! Non, j'ai dit que j'allais oublier que j'ai déjà. On vient de m'opérer. Que le sang allait couler là-bas le jour là.
Comment on bataille comme ça? Toi qui es ici déjà à bailler bagarre avec moi, hein? Comme c'est trop ta soeur. C'est normal, tous les bassins sont soeurs. Chouin. Tu dis que quoi? Donc c'était ton mari? Pardon? Quand vous regardez dans les vidéos, les gens, vous ne comprenez pas ce que j'ai envie de fumer vos gueules, d'accord? Les langues. Oubliez-moi, je souffre ou je souffre aussi. Je bois mes médicaments à paix. Laissez mon nom. Je n'ai rien fait. Je suis parti à la soirée, j'ai filmé. J'ai filmé tout le monde à la soirée. J'ai fait mon rôle jusqu'au bout. Je suis chez moi. Dans ma misère, je ne vous demande rien. Donc, Amen, Kamen, arrête de m'insulter. C'est la première fois de l'histoire que tu vois que je m'assois comme ça pour t'insulter. C'est la première fois de l'histoire que je m'assois pour t'insulter. Je t'ai toujours évité. N'oublie pas que quand tu es sur mon nom, pourri. Toi-même, là où tu dis la besoin d'acheter des marées. Et c'est grâce à moi. Sinon, tu serais toujours dans un foyer de femmes battues. Bonne journée. À ce soir, merci.